Bonjour à tous. Alors, on pensait vous faire une émission spéciale Noël, religion, bébé Jésus et tutti quanti, mais on a eu un peu de retard. Ce sera donc une spéciale Pâques, religion, crucifixion et autres joyeuseries SM. Le tout tombant pile poil pour le premier anniversaire de supplicité publiminale. Et pour le coup, en plus de ça, changement de voix pour cet épisode. C'est-y beau tout ça Alors, on le sait, Dieu est amour, Dieu est partout, Dieu nous veut du bien, fait notre bonheur à notre place. Ils, elles et ou eux ont donc plus d'un point commun avec la publicité qui le lui-leur rend bien. On aurait encore pu s'acharner sur notre marronnier préféré, l'auréolé innocent, tombé à point pour cette thématique, mais les Saintes Écritures parlent d'elles-mêmes ici. On leur a connu verser plus inspiré. Pas de quoi s'attarder donc, icône suivante, avec une publicité pour la chaîne L'équipe. Grande affiche grise de métro, personnage centré. Position pas évidente de prime abord puisque la photo est en plongée pure, zénitale, point de vue divin comme qui dirait, transpirant l'iconographie christique via une pose de victoire sportive où le vélo remplace la croix, et le geste d'exultation le crucifié bras tendu. Lumière très uniforme, noir et blanc intemporel, solennel, épuré, doux, qui se fait, glamour à part, assez rare en publicité, notamment dans le registre sportif, avec tout de même le logo l'équipe ressortant rouge vif, Rouge sent elle un stigmate d'appoint. Position de souffrance devenue élan sportif, mais surtout victoire, jouissance, le tout assorti d'un slogan de bon aloi, amore infinito, amour infini, italien papal au texte explicite. Dieu est amour, mais le Seigneur Lance Armstrong est infini. Bref, tout le concentré du mythe du héros sportif littéralement christique, vainqueur, gagnant, le number one. La position de sacrifice et souffrance devenue pose de victoire en dit long sur le transfert opéré par la pensée chrétienne, plus tant dans la charité et le don de soi que dans le challenge, compète, etc. Le cyclisme et son aura dopé, sport collectif dont seul le gagnant est mis en lumière, toute une idée du sport ultra compétitif, pas très cateau tout ça. Bref, on convoque ici tout un champ culturel absolument pas neutre, même si on est aussi dans un jeu purement formel. Image élégante dont la cible n'est probablement pas uniquement catho-chrétienne, voire pas du tout, car d'un point de vue ecclésiastique, on est dans le quasi blasphématoire. Cible en tout cas sûrement moins religieuse que Mauboussin, notamment à travers les poèmes qui accompagnent plusieurs de leurs pièces, nombre de leurs publicités de métro, dont celle-ci en particulier. Ici aussi un noir et blanc intemporel, de l'élégance, de la légèreté, de la délicatesse, un lettrage simili pas grand chose à en dire, à part les adresses de boutiques parisiennes, et surtout le texte, occupant l'essentiel de l'affiche aux côtés de la traditionnelle photo glamour, luxe et sexy soft tout en égérie. Un texte voulu énigmatique peut-être, romantique, ode rose, lorgnant donc du côté du poème, mais au champ lexical pas anodin et suffisamment chargé en emphase pour éveiller l'intuition. Route infinie de passion où chaque jour se répète de façon immuable. Autant dire que côté effet d'amour éternel, ou Roboros, anneau de Mobius, bagaudois grandiloquent, on est plutôt bien. Quitte à être un peu jusqu'au boutiste, que tu es ma lumière, que tu es mon futur, avec chaque jour et que tu es en anaphore, pompeux, riche, solennel, voire dramatique à la façon d'une prière. Plusieurs poèmes ont ainsi habillé les affiches de leur publicité, dont certains se retrouvent sur leur site. Florilège pêle-mêle de vénération, célébration, Adoration, infini, pureté, espérance que fait régner sur moi l'amour, étoile divine, béni, tu es ma lumière, donc en somme, à un alléluia et à un ressuscité prêt, on a quasi droit à l'office du dimanche. On trouve même la paix, l'heure de la paix, du Christ ou pas, le premier jour de la création ou pas, une déclaration enflammée, hier je n'étais rien, ce matin je te découvre, ce matin j'existe. Anaphore, quand tu nous tiens. Et bien sûr, ponctuellement, les mots symbole, symbolisme, etc. Mode d'expression privilégié du texte ésotérique ou religieux, nécessitant l'exploration théologique pour y piper goutte, et encore, c'est pas sûr. Bref, on donne ici par les mots toutes les cartes de lecture nécessaires, de compréhension de contenu et du public destiné, avec ici et là aussi une expression qui donne du grain à moudre à la polémique du sexisme de ses publicités. Femme réclamant sa bague Chains of Love à corps et à cri, de jouissance à n'en pas douter. Voix sensuelle, sérénité, plénitude de la femme qui assume pleinement son vouloir et sa liberté. La bague archaïque cerclée au doigt. Que souhaiter de plus à une femme pour qu'elle puisse ressentir un sentiment de plénitude dans la vie D'après Mauboussin, un diamant et la beauté ou la beauté d'un diamant suffiront amplement. Bref, la femme qui se définit par rapport à l'homme aimé sur un site semblant très destiné aux acheteurs masculins à vue de poèmes ornementaux des pièces pour homme comme pour femme. C'est sûrement une convention du luxe, à l'image de ces grands restaurants où l'on donne une carte de consommation dénuée de prix aux femmes, galanterie oblige, tout sexisme à part, bien entendu. Bref, femme objet, muse lyrique, adorée, femme hors sol en tout cas, magie du mariage faisant peut-être, doux mélange entre pute et sainte, Marie et Madeleine. Au passage, on vous recommande le mini-minal de Tiffor à ce sujet, toujours chez Mauboussin. Il s'agit ici d'une publicité pour un sac à main, de la marque Mauboussin affiche qui, à sa façon, s'ancre très bien dans l'actualité. Mais on l'a vu, les registres convoqués ne se résument pas à une idée de la femme désirable, ils sont divers et ce, dès le nom des bijoux. Boucle d'oreille, je le veux, pacte solennel marital, mais aussi accès d'ambition manifeste, soumission au désir, dont le poème s'épanche en challenge, vocable d'imaginaire assez droite, Macron, et aisé. Après, il s'agit ici d'un bijoutier notamment spécialisé en bijoux de mariage, qui constitue par défaut un budget conséquent, et on peut au moins reconnaître leur variété de gamme et de prix, avec notamment des bagues low cost, la Je te kiffe à 195 balles, autrement plus abordable que la Tuez ma rivière d'amour à 2995 euros seulement. Forcément, Astaro, on a fini de kiffer, on adore. Quoique avec la Kiff and Kiss ou encore la montre Tel Champion, mec, ou le saphir Sex and Love à 3000 boules, tout, on s'adresse aussi, malgré le lexique populaire, à une classe sociale aisée. En même temps, mariage égal, tradition quand même assez ancrée à droite, à moins qu'on ne vise ici le revendeur de coques en Mercedes, comme quoi on peut être branché, jeune et tradi, au capital rien d'impossible. La campagne Gémio appuie aussi ce registre chair fraîche, couleur pâle, douce, pas agressive, police sérif, chat que l'on sacre, couronné comme Mauboussin et son désir résidu de royauté affiliation filiation fillonne divine bis, chaton mimi rose pour jeune femme aisée sans doute aussi, parce que rose et eau de rose égale fille bien sûr, mais bon fleur bleue aussi, on n'y comprend plus rien ma bonne dame. Bientôt peut-être la bague de mariage décoration smiley, itération moderne plus cool que romantisme gros sabots voyant mais qui sait, l'avenir est plein de surprises. S'agissant de joailliers spécialisés en bijoux de mariage, leurs produits et publicités sont également, sans surprise, un grand point convergent entre amour et religion, jouant sans réserve sur le glissement usuel du terme adoré, passé du strict registre divin, hors duquel il tient du blasphème, au champ sentimental et même à celui de la consommation d'objets, événements, etc. Femme ou Dieu, tant qu'on adore, ça se vend avec la même intensité. Que ce soit Noël ou Saint-Valentin, tout est bien qui finit mal, en fait, commercial et adoration béate. Bref, amour terrestre, charnel ou liturgique, Mauboussin ou South Park, choisissez votre camp. Tu es toute ma vie, Jésus. Je ne peux pas vivre sans toi, Jésus. Et je sens ta présence tout au fond de moi, Jésus. Trop bien! De fait, la misogynie latente soulignée par fort entre autres, ne paraît pas étonnante de la part d'un joaillier employant le registre religieux, voire monarchiste, qui vont vite de pair d'ailleurs, et avec lesquels toute une idée de la femme décorative ou purement pratique, productrice d'héritiers, va facilement de consort. Bref, avec notamment des pièces comme Sacré désir, Sacré divin et Sacre monarchique, c'est quand même bien avant tout un traditionalisme catho, misogyne, réac, Monarchiste qui ressort des poèmes et des noms de leurs produits, sous couvert de poèmes ou prières fleurs bleues. Bleu royal en l'occurrence. Démon, ange, ange démons, démon, les sept péchés de toi, etc. Autant de noms de modèles qui annoncent largement la couleur. Et pour ceux qui penseraient encore qu'on cherche la petite bête, si c'est pas assez limpide, le poème assorti aux boucles d'oreilles Dream and Love éclairera votre route, que vous le vouliez ou non. Dès la première ligne, on est fixé triangle de Dieu et consort. Dieu, finalement, le mot est lâché, on peut pas toujours se retenir, trinité sans filtre, crise de foi imposée par traditionnalisme grandiose, grand bourgeois bling bling sexy, tout ça qui est acquis, fonctionnel, vendeur. Dior fait mieux encore, dès le nom déjà, Christian, Dieu plus Or, puis via des parfums ayant nom absolu, j'adore, ou encore à travers des clips hollywoodiens abondants en symboles à forte connotation. A, memory, a dream, but it's no place to live. The only way out is up. And it's not heaven, it's a new world. The future is gold. J'adore, Charlie Sterne purifié, auréolé marchant courant sur l'eau du spot The Absolute Feminity, ou dans le clip The Future is Gold sur fond versaillais. Avec pour seul salut possible une montée au ciel tout sauf neutre. Et pour que la sauce prenne, on use les mots qu'il faut. Passé. Futur. Le présent aussi chez Mauboussin. Tout ça, ça doit parler. Auteur et bien sûr, paradis. Futur d'or pour jeunesse dorée. Absolu féminin, absolu tout court. Si bloc gaulliste libre aux idées probablement assez loin des nôtres y voit le reniement de la France, de nos racines au profit de cités internationales type Shanghai, Dubaï, etc., ce qui de la part d'une multinationale n'a rien de surprenant, on voit nous surtout ici les clichés du rêve magique aristocrate et divin, de la publicité de mode mondaine, la romance en moins. De même, lorsque certains, les vrais de vrais, à qui tout cela est sacrilège, parlent d'apologie du satanisme chez Dior la vidéo publicitaire Dior J'adore The Future is Gold est une subliminale sublimation du nouveau monde et du futur tel que les veulent les satanistes. Ils poursuivent ensuite par Ce n'est pas le paradis, donc ce n'est pas si subliminal que ça, in fine. Ou Kenzo, voyant la possession du malin dans l'exubérance d'une danse contemporaine désarticulée en rap. À la manière d'un ninja diabolique. Et passe par derrière pour le surprendre en mettant les mains autour de ses yeux. Cela sous-entend que ce n'est plus cette jeune femme qui nous regarde, mais bien Satan. Donc, euh, ils ont jugé utile de nous faire comprendre que c'est Satan qui nous regarde dans ce clip. On voit, nous, plus simplement, la sempiternelle injonction paradoxale visant à dédouaner la mode On n'enferme pas les femmes qui étouffent de ce monde, mais on prône leur libération. Soyez vous-même, abat les conventions, etc. Mais rester esclave de la mode et de l'industrie de consommation qui va avec, bien sûr. Insubordination pastiche-fastoche et éculée, censée brosser l'ego dans le sens du poil, le fameux venez comme vous êtes, dont on nous assomme aux confins de la normalisation. Comme vous êtes, mais super-héros, dans l'adoration d'icônes pop culture, comme vous êtes, mais surtout comme ils sont, comme vous adulez, comme vous pliez à l'image. Comme vous êtes, tant que ça éclabousse, que ça en jette, clinquant, féerie hollywoodienne iconique à rallonge. Mais jamais comme vous êtes si vous n'êtes rien. On finit avec cette publicité Petit Bambou pour une application smartphone de méditation à utiliser partout, y compris visiblement dans le métro, jouant clairement des mêmes effets sympa sympa et coucou toi que le représentant de l'innocence incarnée avec toute la science de la ponctuation qu'on leur connaît. Trois points d'exclamation pour le corps de la proposition, un point d'interrogation pour être gentil, parce qu'on nous demande quand même notre avis dans cette lecture imposée. Et pour finir, quelques langoureuses suspensions. D'incrédulité consentie, surtout. Sans oublier le dorénavant familier petit smiley sourire qui va bien. Mais si on est indisposé, surtout vous inquiétez pas, c'est ok. Tout roule, vous êtes dans votre zone de confort. Métro bondé à la sueur suintante de congénères décontractés. Respirez bien, ça va aller, on vous dit. Simili moine bouddhiste, sourire du Bouddha dans un cercle, grattant aussi l'exotisme de pacotille d'une série comme Kung Fu avec son petit scarabée, ici petit bambou, celui qui plie mais ne rompt pas. Que les pratiques et traditions de méditation viennent d'Orient et d'Extrême-Orient, c'est une chose, mais on n'est pas non plus obligé de forcer le cliché à ce point, d'autant qu'il n'y a dans le texte aucune évocation religieuse manifeste, bouddhiste ou autre. On s'adresse évidemment ici à un public occidental large, pas forcément croyant d'ailleurs, potentiellement en quête de spiritualité, le tout venant à gauche comme à droite, quand Même suffisamment à l'aise économiquement ou socialement pour se permettre de s'accorder de la méditation sur smartphone. Le texte invite à se ressourcer, se retrouver, faire un bout de chemin avec vous-même, publicité qui nous révèle notre fort intérieur, le tout dans la gentillesse et bienveillance du prosélyte, racolage actif à l'instar du prêcheur de rue au tract éthéré, du candide témoin de Jéhovah au pied dans la porte, l'air de rien, etc. etc. Une réclame pour lui en personne. Le tout premier à qui on en a fait, le plus vieux métier du monde, pubar. Avec, tout de même ici, faut pas oublier les bases, quelques injonctions à installer l'appli, sortir son portable, chausser ses oreillettes, mais seulement si c'est ok, hein. On voudrait pas vous brusquer non plus, petit être fragile que vous êtes. Vous le faites que si ça vous va, si vous en avez envie, si, 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 conditionnel, 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 impératif, 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 conditionnel, tout va bien, rassurez-vous. Une partie point d'exclamation impérative, comme toujours noyée en douce au cœur du pavé de texte, les ordres on les annonce pas plein pot, on pose d'abord des jalons super copains. Le discours n'a ici rien d'explicitement religieux, quel que soit le dogme, qui, jouant sur le badinage et la crise mystique à base de rencontre de soi-même, être prêt, etc., emprunte malgré tout des éléments spirituels classiques, qu'on peut par exemple ici rapporter au baptême. Consécration qui dépend du croyant, doit émaner de lui, s'effectue lorsqu'il est prêt, à sa demande pour un adulte, avec une plongée en apnée pour mieux renaître purifié au monde, inspirez, expirer attention, bienvenue dans votre présent, toujours dans l'idée d'atteindre un état sublime, un état supérieur de soi-même, qu'il s'agisse de s'éveiller à son présent ou de s'offrir à son futur adoré d'avance, la publicité entend nous élever, nous éclairer, paver de ses bonnes intentions le chemin de nos cœurs égarés, remettre les brebis en masse sur les sentiers du juste capital, du lumineux consommé. Toute une évolution de l'image et idée de la religion, de la foi, quête de spiritualité à l'orientalisme de carte postale, spiritualité exotique de façade consommable, vendable, interchangeable selon folklore, tradiréac filonomacroniste ou simple imagerie culturelle réappropriée, publicité et produits répondant encore et toujours à un besoin spirituel et de sens, Perdu en partie à force d'hyperproductivisme aveugle sans partage, serpent qui se mord la queue, la boucle est bouclée. Mais évidemment, loin de nous l'idée de défendre l'Église contre la publicité et inversement. Sur ce, on vous laisse, espérons-le, un peu moins désorienté dans l'obscure insignifiance de vos vies terrestres. Jésus christ un jour tu vas revenir, est-ce que tu iras t'inscrire dans un club de catholiques Est-ce que tes gosses, ils iront chez les scouts Est-ce que toi aussi, tu voteras à droite ah